Bonjour à tous, c'est McFury. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough sur Battlefield 3. On en était à la mission 7, si ma mémoire est bonne. Il y a 10 heures environ. Donc, voilà. Il me semble, attendez, je vais quand même vérifier que je ne vous dise pas de conneries, hein, ce serait pas mal. Non, la mission 6. Voilà, oui, c'est vrai que la dernière mission, c'était la mission 5, la mission camarade, hein, que j'avais recommencé deux fois suite à un bug du jeu. Donc, voilà. J'espère que celle-là se passera mieux, qu'il n'y aura pas de soucis. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Je crois que c'est le premier vrai bug que je vois sur le jeu. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y en ait non plus 50 000, hein, surtout pour un emplacement de sauvegarde, du moins j'espère. Donc voilà. Si je me souviens bien, la dernière fois j'avais juste regardé le début, c'est la mission dont on avait vu le trailer à l'E3, enfin voilà, dans tous les gros trucs, la mission en char d'assaut, où on attaque une ville en char. Donc, ce qui annonce une mission assez rythmée, je pense, et fort intéressante. Sinon, je crois que je sais plus, je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais voilà, j'ai commandé Battlefield 3. Oui, forcément, je suis en train d'y jouer. Non, j'ai commandé Call of Duty 3, du moins Modern Warfare 3. Voilà, je devrais le recevoir mardi, jeudi. Il est évident que je ferai forcément une vidéo dessus. D'entrée de jeu, au moins la première mission en découverte. Et peut-être, si toutefois j'arrive à avancer pas mal sur Battlefield 3 et à mélanger un peu les deux, et surtout à uploader entièrement le walkthrough de Batman, normalement ça devrait être fait. Il doit me rester deux vidéos. Peut-être que je ferai un walkthrough sur Call of Duty, sur Modern Warfare 3. Ça reste à voir, hein, ça dépendra vraiment du temps que j'ai. Donc, on verra, enfin du moins, on verra, vous verrez si toutefois je peux le faire ou pas. Donc, à savoir que je suis en train de faire, du moins j'essaye, c'est pas facile, j'essaye de faire une nouvelle intro sur, du moins une nouvelle intro pour mes vidéos, faite par mes soins. Bien logiciel, hein. J'essaye de faire quelque chose de propre, et qui me ressemble. Donc j'espère pouvoir faire ça pour monter cette vidéo là. Donc à partir de la mission 6 et pour toutes mes vidéos après qui seront uploadées après la mission 6 de Battlefield. Ou au moins pas forcément uploader, mais au moins monter après cette vidéo là. Oh. Plusieurs chars identifiés. Ils approchent vite. Vite, faites feu. Envoyez. On va zoomer un peu. Voilà. Mais ils mettent pas. Mais à ce rythme là, je vais me faire détruire. Ah, je vais pas être loin de me faire détruire là. Et voilà, c'est fait. Ça m'aurait étonné. Voilà, on commence comme ça. Ça commence bien. Et puis, ouais, je vois que effectivement, hein, ça ne change pas. Quoi qu'il arrive, il y a 7 chars. Les 7 chars me tirent dessus. En même temps, il n'y a pas de raison que ça change. Que ce soit en char, en avion ou à pied, l'IA reste la même. Allez, on y va. Charge
Chargeur, rapport. On est bon. Je suis prêt à tout ça. De ce point de vue-là, il n'y avait aucune raison que ça change. Ok, on est prêt à faire feu. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de... Le fumigène, les fumis. Waouh. Plusieurs chars identifiés. Ils approchent vite. Vite, faites feu. Envoyez. À tous les véhicules. On va essayer. De pas trop prendre de risques. Me paraît pas mal. Chauffeur, faites-nous sortir de la merde. C'est moi ou je suis vraiment le seul à être pris pour cible? Ah, puis mes coéquipiers. Ils n'en détruisent pas, hein. Cible détruite. Continuez comme ça. Cible. Dernier char identifié. Là. Feu. Et bien voilà. Bien joué, tu Miller. Parles, ouais. On a failli tous crever. Mais ça, c'est les copains, ça. Là. Oh merde, je vais pas tirer. Pour que tu liquides ces connards, merde. Voilà. 2T72, attaqué et détruit. Au travail, 3-4. Anvil 6-6, ici Anvil 3-4. Tous les blindés ennemis sont détruits. Tous, j'espère. On poursuit la mission. Bien reçu, 3-1. Faites un rapport au prochain point de passage. Terminé. En haut de la crête, Anvil 3-3. Terminé. En haut de la crête. Ça s'annonce, à mon avis, pas très bien. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde. Donc ça c'est fait exprès. À toutes les unités en ville, ici Super 1-1. On tourne au-dessus de vous. On est branché sur un drone. Image du micro-drone. D'accord. Anvil 3-1, les roquettes sont votre cible principale. Appui aérien disponible. Bien. Eh ben on va tirer. On reste en stand-by. Grouille d'ennemis là-dedans. Ok, Miller. Marque la cible. Anvil 3-1, on a la cible. Frappe aérienne dans 5 secondes. Ça semble bien que ça tirait de par là, mais... Voilà. Attention, c'est parti. Super 1-1, ici Bulldog 3-3. On peut en faire d'autres ou pas? Sur la position ennemie. C'est tout? On est à sec et on rentre. À vous. Bien su, 3-1. Je vais prévenir Ultra 3-4 et chercher un autre moyen de relancer une attaque. Anvil Leader devra peut-être prendre les choses en main pour attaquer la position des BMD. Terminé. Chargez-vous vite! À tous les véhicules, lancez la charge à mon signal. Attrape! 3, 2, 1. Avancez. D'accord. Vitesse maximale. Ok, chef. Merde, 3-2 est touché. Anvil
3-2 est touché. Ils sont en feu. Ouf. À tous les véhicules, maintenez la pression. Lâchez rien. Attention, cible identifiée. Multiple BMD, multiple canon anti-char et infanterie. Rendez-vous leader, on approche de l'accotement. Allez, go. À tous les véhicules, poursuivez l'assaut sur le camp. Là, au nord, en avant. Coaxial, troupe à 64 mètres. Eh bien, pourquoi je peux pas reculer? Super. Je dois avouer que c'est pas... Je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon. J'allais dire, putain, là, jamais je l'ai détruit, hein. Allez, on va aller voir le deuxième là-bas. D'accord. Ah ben voilà. Bien reçu. Avancez jusqu'à l'autoroute et poursuivez les missions à vous. Bien reçu. Il y a même un turbo sur là. Terrain découvert devant. Faudrait charger un sabot. Je suis épaté. Ça sent encore les chars, ça. Identification du char. Un T-72, j'attaque. Identification du deuxième char. Il s'enfuit, poursuivez-les. Le voilà, la poussière va vers la gauche. Je le vois. Ne vous trompez pas. Gardez vos distances. Embuscade. Identifiez les véhicules. Là. Même pas, hein. Ils sont combien? Oh! On a été touché. Ça a pas l'air trop grave d'ici. Mais ils sont super nombreux. Chauffeur, faites-nous sortir de la merde. On fait ce qu'on peut, hein. C'était bien vu le match à la télé là. Je sais même pas à quelle distance ils peuvent être. Embuscade ! Identification ! Exchar ! Sur la crête à gauche ! Je sais même pas si je les touche. Honnêtement. Lui là-bas, non? Embuscade! Identification! Exchar! Sur la crête à gauche! 3-3 touché! 3-3 touché! Mais toujours opérationnel! C'est fou, ouais. C'est encore moi qui vais... C'est encore moi qui vais mourir. Et voilà. Ouais, c'est même pas qu'ils nous prennent pour cible, c'est qu'ils tirent que sur moi. Je sais même pas comment, je sais même pas où ils sont, je sais même pas à quelle distance ils sont, je sais même pas si j'arrive à les toucher. J'avoue que c'est quand même intéressant de diversifier le gameplay, mais... à condition que ce soit quand même vachement pratique à jouer, quoi, parce que là c'est quand même pas super super pratique, hein. Avancez jusqu'à l'autoroute et poursuivez la mission à vous. Bien reçu. Sors-nous de la mineure. Terrain découvert devant. Faudrait charger un sabot.
vois. Il se déplace de droite à gauche. Voyons voir. Identification du char. 1T72, j'attaque. Identification du deuxième char. Il s'enfuit. Poursuivez-les. Le voilà. La poussière va. Ah bah lui, une entrée. Je le vois. Ne vous regroupez pas. Gardez vos distances. Embuscade. Identification. Identifiez les véhicules. Trois devant. Là, mais jamais il le touche. Tire le sabot. Oui, là, ce serait bien au moins de le tuer, lui, quoi. Là. Hé, hey, mettez-moi ces enfoirés qui crèvent. Embuscade. Identification. Exchar, sur la crête à gauche. Vous pouvez rester devant moi, si vous pouvez éviter de rester devant moi. Je sais même pas si je le touche, j'en ai vraiment aucune idée. Si. J'allais dire, continue. L'ennemi se replie. 3-3, faites gaffe. Ils veulent nous abattre. Ah bah on va suivre les copains. J'avance par là-bas. À mon avis, lui, c'est celui qui était pas marqué tout à l'heure. Non, trop fort rien. Tire un peu haut là. Boum. Ah non, il veut pas. Hein. 3, on a été touché. Ça a pas l'air trop grave vu d'ici. Ah bah quand même. 3-3. Eh bah dis donc, dites-moi, ça fait folklorique quand même. Hein. Identifiez les véhicules. Trois devant. À toutes les unités en ville, attaquez et détruisez le convoi ennemi avant de continuer. Bien reçu. Bien reçu. Allumez, Miller. Faut que j'allume qui? Oh putain, j'adore ces roquettes. Boum. Boum. Lui en même temps. Ah mais j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Il me tire pas dessus. Ouais, mais c'est bien, vas-y continue. Attention, entre un. T'es gentil. Bien loupé. Mais par contre je vais pas te louper. Voilà. Ici 3-3, bien reçu. En 1066, ici 3-4.
J'ai engagé et détruit plusieurs véhicules voilà. D'infanterie ennemie. Atteindre l'autoroute. Bien reçu. Virez à l'ouest et avancez vers l'autoroute. Contactez-nous quand vous serez au point de passage. Terminé. Ouvrez l'œil. Là, c'est qu'un dernier chose. Hein. Les hélicoptères, les avions. Tranquille, quoi. Allez, prenons notre route. Pas beaucoup, non, ça c'est sûr. En ville 6-6, 3-4 et au point de passage Tarmac. Bien reçu, poursuivez la mission, terminé. Bon. On se concentre. Visez un peu ça. Pourquoi on passe pas par le désert? C'est n'importe quoi. Parce qu'on suit les instructions. En ville 6-6, ici 3-3, nous sommes au point de passage. Passer en plein milieu de ça là, c'est quand bien même. Bien reçu, 3-4, allez à halteur. Rapport une fois sur place, terminé. J'espère qu'il y a de la pluie aérienne parce qu'à mon avis. À mon avis, hein, après je dis ça, je sais pas. Il va y avoir du monde. D'accord. Ouais. Y'a quelque chose devant! Ouais, super. À pied maintenant. Oh, mais il y a du monde partout. 3-1 ici, Hanville 6-6. Allez donc voir pourquoi Hatchet me casse les couilles en retardant toute la compagnie, putain. Enfoiré, ces enfoirés PLR nous ont tendu une embuscade. Ils nous ont tiré dessus avant qu'on ait pu finir le boulot. Eh bien. Ce serait que quelqu'un arrive à atteindre le détonateur pour déclencher. Il va falloir que quelqu'un se dévoue. Ouais, d'accord. Bizarrement, ça sent le truc pour ma gueule. Vas-y, on te couvrira du char. T'inquiète pas. Ouais, oui. Tu parles d'un tir de suppression, toi? Je sais pas s'ils ont bien vu le monde qu'il y a là-dedans. Wow, reste tranquille toi. T'inquiète, je m'en occupe. Voilà. Putain, cette onde de choc va me faire gerber. Beau boulot, vieux. Bon travail. Tu devrais dire à ce type de te filer son salaire. Tu viens de faire son boulot. Remonte dans le char, on a besoin de toi à la mitrailleuse. Il est où mon char? Wow. Oh non. C'est moche. Hein? Type, franchement, il y a trois chars, il n'y en a pas un qui peut couvrir le temps que je monte dans la mitrailleuse. Enfin, tant que je vois où était situé mon char, en même temps j'étais pas à couvert. Oh, faut que je recommence. Oh la vache, ça a même pas sauvegardé.
Et là, je vais mettre 3 jours pour réussir à le refaire. Je crois que c'est un type de la section Adjet. Le transport ? Non, ingénieur. On va peut-être lui dire qu'on est en pleine guerre. Vous allez voir, à tous les coups, c'est le truc que je vais pas réussir à refaire comme ça. T'es bien gentil, je reste pas là, moi. Enfoiré, ces enfoirés de PLR nous ont tendu une embuscade. Ils nous ont tiré dessus avant qu'on ait pu finir le boulot. Toi, tu serais que quelqu'un arrive à atteindre le détonateur pour se déclencher. Il va falloir que quelqu'un se dévoue pour y aller, mais ce sera pas moi. On a entendu. Vas-y, on te couvrira. Ouais, super, ouais. T'inquiète pas. Tu parles, vous me couvrez. Ouais, mais je m'en occupe d'abord. Je m'en occupe aussi, ça. Et voilà. Putain, cette pompe de choc va me faire gerber. Beau boulot, vieux. Bon travail. Tu devrais dire à ce type de te filer son salaire. Tu viens de faire son boulot. Remonte dans le char, on a besoin de toi à la mitrailleuse. Eh, mais remonte. Avant de crever. Non, oui. Voilà. Une mission comme je... Ouah, c'est où ? Toi déjà. Toi aussi, je t'ai vu, c'est un lance-roquette. Enlevez le 3-4, suivez la route principale, éliminez toutes les forces ennemies. Rapport une fois en dehors de la ville. Ok, mineur, avance. Wow. Jamais meurt. Oh, oh. J'allais dire quand même. En vrai, je pense que j'ai même pas besoin d'y tirer vraiment dessus. Rien que l'onde de choc du canon qui. Sur les lance-roquettes, mais... Putain de merde! Lance-roquette éliminée! Surveillez nos flancs! Feu à volonté! Véhicule identifié! En charge, dans la station service! Visez la pompe au calibre 50! Ça fait quand même du ménage. Hein. Ils sont fous. C'est là qu'on voit que c'est quand même qu'un jeu vidéo. Hein.
Moi, en vrai, je vous promets, j'ai un char qui vient comme ça. Véhicule piège, allez, détruisez-le. Mais je fuis. Je fuis. Allez, oh. Touché. Char allié, touché. Ah, ouais, ça sent l'échec de la mission, ça. Ils sont foutus. Bien reçu, Anvil 3-3. Arrêtez-vous sous le pont. À toutes les unités, ici Anvil 6-6. Arrêt d'urgence. Attendez ouais, sous le pont, c'est une bonne idée, ça. C'est bon aussi. Véhicule piégé en approche. À droite. Aïe. Une autre, juste derrière celle-là. Ah, je m'attendais pas à me faire attaquer par les flancs. Mais... lance-roquette, à 10 heures vers l'avant. Ah, mais ça fait du monde. Qui pensait que ça serait une mission tranquille parce que j'avais le char, mais dis donc. Ok, Miller, avance. Anvil 6-6, ici Anvil 3-4. J'ai engagé et détruit des véhicules piégés et des troupes. À toutes les unités Anvil, restez en attente. La mission est modifiée. Maintenant, qu'il se passe. Et bien voilà, pour cette mission, à mon avis, c'est la fin. Ouais, c'est ça, c'est la fin. Bah écoutez, j'espère que voilà, la mission était simple, sympa. J'espère que ça vous aura plu. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Allez, bye bye.